Salut à toi, c'est Kevin d'Apprendre le Step. Je ne sais pas du tout pourquoi je fais cette pause, mais elle était stylée, donc je vais la garder comme ça pour la prochaine. Donc n'oublie pas de télécharger tes cadeaux, les 3 steps gratuits, le guide du PVGEPS pour ceux qui veulent passer les TEP. On va parler de perte de poids aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui tu veux des... Bon, ils sont pas encore là à fond. Des abdos? Non, tu veux mincir avec le step. Je peux comprendre, c'est une super activité. Bah, pour maigrir, hein, tout simplement, super. Donc, on va parler un petit peu aujourd'hui de la perte de poids. Je vais te donner 5 points, 5 points rapides, vraiment rapides. On ne va pas trop causer non plus. La première, c'est de te fixe-toi des objectifs qui sont réalisables, des objectifs qui sont atteignables, des objectifs qui ne sont pas par des marges de ouf. Tu vois le truc? Tu pèses 90 kilos, je dis n'importe quoi, tu pèses 80 kilos, tu ne veux pas déjà maigrir et peser 40. Non, fixe-toi des petits pas, des petits paliers et des objectifs intermédiaires. Voir des objectifs journaliers, très efficaces. J'ai 30 kilos à perdre. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois déjà perdre 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos, ok? Fixe-toi des objectifs par palier, atteignables, réalisables. Et pas des trucs de ouf dès le début. C'est ce que tout le monde fait. Là, je tourne, on est en février. Tout le monde a déjà arrêté la salle de sport, ça y est. Tous ceux qui étaient motivés en janvier, et ils sont démotivés. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas fixés des bons objectifs par palier. Premier objectif. Ok, premier point, c'est ça. Deuxième, fais 30 minutes, entre 20 et 40 minutes de step, au minimum 4 fois par semaine. J'ai pas envie de dire tous les jours. Pourquoi pas tous les jours? Parce que c'est toujours pareil, tu en feras tous les jours quand tu te sentiras capable. Donc, 4 fois par semaine du step, 20 à 40 minutes, tous les matins. Le matin, c'est important. Pourquoi? Parce qu'après, ta journée, elle est lancée, donc c'est plus important. La plupart des gens aiment faire du cardio le matin. Ce que je peux comprendre, il y a les hormones, il y a tout ça. Bref. Deuxième point, c'est bien sûr ça. Ensuite, concilie le haut et le bas. Donc, fais des exercices qui concilient le haut du corps et le bas du corps. Et essaye de les varier, de faire un circuit. Pourquoi? Parce que le sang, il va circuler dans tous les sens. Et la perte calorique va être encore plus importante. D'accord? Donc, ça, c'est important. Et en step, tu peux le faire. Là, j'accentue les bras. Là, j'accentue. Là, je fais des genoux et j'accentue mon travail du haut du corps. Ok? Ensuite, je peux faire du step, et puis tiens, j'ai ma pose de step, Kevin, il fait que parler. Je vais faire des pompes, ok? Ou je vais faire un petit peu de Superman, ou un petit peu d'abdominaux pendant la pause, ok? Fais des circuits, au bas, au bas, au bas, très important. Quatrième point, fais des sauts. Mais ça, je t'ai déjà dit dans des millions de vidéos. Quand tu fais des sauts, ça envoie. La plio, ça use beaucoup d'énergie, beaucoup de jus, beaucoup de gaz. Il faut que tu utilises les sauts pour perdre du poids rapidement. Et puis forcément, l'alimentation. Bon, je ne te parle pas trop parce que je n'ai pas envie de te saouler avec ça, mais c'est le point le plus important. La baisse calorique, essaye de ne pas trop manger aux alentours de ton entraînement et surtout après, essaye d'attendre une petite fenêtre entre 1h30, 2h après avoir fait du step pour pouvoir déjà remanger et manger tranquille, léger, des protéines, des légumes cuits à l'eau, des choses comme ça qui vont t'apporter beaucoup plus de bonnes calories pour pouvoir mincir tranquillement. Voilà, pour ces 5 points, n'oublie pas de télécharger les cadeaux encore une fois. Stepmaster, c'est dans la description pour faire des steps 20 à 40 minutes par jour. Stepmaster, c'est plus 40-45 minutes. Tu as l'école de step Stepmaster que je suis en train de refonder sur la plateforme, tu peux y aller. Et puis, n'oublie pas de mettre en place ces 5 points. Tu as 5 points à mettre en place pour mincir avec le step aujourd'hui. J'espère que tu as kiffé la vidéo. N'oublie pas, le step, c'est la vie. Kiffe, apprends le step et à très vite. When I look aside, she's always by my side. She guides me with a sign.